Je ne connaissais pas c'était quoi Enactus Loul. C'est un club d'entrepreneuriat qui a été une compétition internationale à Cancun. Ils sont demi-finalistes. À l'époque, ça ne m'avait pas vraiment impressionné. Quand j'ai vu les chirettes, j'ai le Mexique. Je me suis dit, je vais intégrer cette famille et je vais savoir en gros ce que ça fait d'être un Enacteur. Nous, dans l'entretien, et effectivement, j'ai été pris. Très Enactus. Quand vous êtes très parti, je vous laisse les semaines ou les assemblées générales, machin, qui donnent des autres. Un à quel mot j'ai la caraïsme. Et je dois dire que avec le point, c'était un peu le tournant de la vie d'elle. Vous êtes l'aventure des sages. Parce que tu fais en tant qu'ingénieur, tu des solutions et en même temps, le côté social, tu as les régions, les marques, tu as les gens qui sont dans nos besoins et pourtant qui sont hospitaliers, qui sont fahanis, qui sont avec toi. Donc, ça, par la suite, tu as le besoin moral envers les personnes. Quand on voit ces gens dans ces conditions-là, on se dit qu'on doit bosser jour et nuit pour les aider. Le bénéficiaire, il nous a fait confiance. Neda, and the 90 engineers we are representing today. Engineers by training, but entrepreneurs by passion. We apply our time, talents, and energy to something that brings purpose to our lives. We, Enactus Mohammedia School of Engineers, dedicated to make everything like that. Ma arafch, fil au monde, tu peux trouver une expérience. Les, Incha, à 22 ans, tu gères une équipe, les fait à 50 membres. On a des moments de joie, des moments de douleur, des larmes, des sourires. Regarde ce que j'ai, je n'ai pas l'impression.